Voilà justement le chacal que je cherchais. Oh, cher Khan, tu es là. J'étais justement en train de nettoyer ton repère. De nettoyer mes restes, tu veux dire? Mais on avait passé un accord, tu te rappelles? Tu as dit que je pouvais... Je sais, mais je t'avais aussi dit qu'un jour, tu devrais me rendre un petit service. Et ce jour est arrivé, Tabaki. J'ai entendu dire que Mowgli allait rendre visite à sa famille. Tu parles des loups qui l'ont élevé? En effet. Et quand il arrivera là-bas, il découvrira que son petit frère et sa petite sœur ont disparu. Et évidemment, il voudra les retrouver. Mais comment auront-ils disparu? Oh, c'est justement là que tu interviens. Ah. Bon, je vous laisse. Oh, j'ai tellement envie de revoir ma famille. Tu sais, moi aussi je n'ai pas vu les loups depuis longtemps. Ah oui? On pourrait y aller ensemble. C'est quand même mieux de faire le voyage à deux. Oui, d'accord, avec plaisir. Génial. Tu viens avec nous, Balou? Balou? Quoi? Ah, oui, bien sûr, évidemment. Allez-y, je vous rejoins. Neuf et dix, j'arrive. Je te vois, Bala. Ah, Tabaki! Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai même pas le droit de m'amuser avec mes deux jeunes loups préférés. Oh, c'est vraiment pas juste. Personne ne veut jamais jouer avec moi. Oh, bon, d'accord. Tu peux jouer avec nous. Super! Cachez-vous, je compte jusqu'à 10. Ici, dans l'arbre creux. Attention, j'arrive. Bala? Lali? Vous êtes là? Ohé, vous m'entendez? Lali? Bala? Mais où sont donc cachés mes deux amis? Je parie qu'ils sont là-dedans. Aïe! Ouh! Oui, très drôle. Allez, à mon tour. Essayez un peu de me trouver. On approche! Mais oui, on n'est plus très loin. Mais qu'est-il arrivé à Balou? Mowgli, tu tombes bien. Bala et Lali ont disparu. Oh non! Ils jouaient ici et maintenant ils n'y sont plus. Je suis sûre qu'ils ne doivent pas être très loin. Où est Daruka? Ils pourraient remonter leur piste en un rien de temps. Oui, je sais, mais il est parti chasser. Ne t'en fais pas, Raksha. Bagheera aussi est un bon traqueur. Préviens Daruka. Nous, on part tout de suite à leur recherche. À tout à l'heure. Quelle que soit la destination des loups, le petit homme est sur leurs pas. Il les suivra n'importe où et il sera très bientôt à moi. Trouvé! Trouvé! Oh, j'en ai assez de jouer à cache-cache. On peut jouer à autre chose. D'accord, que diriez-vous d'une course-poursuite? Attrapez-moi! Daruka! Daruka! Que se passe-t-il? Un problème? Lali et Bala ont disparu, je suis très inquiète. Quoi? Oui, ce sont eux. Mais il y a autre chose. L'odeur répugnante du chacal. Tabaki. C'est vraiment dégoûtant, cette gadoue. Hé, Tabaki, tu vas où comme ça? Vous verrez bien. C'est une surprise. Plus vite! Par ici. Sortez de là! Vous sabotez la piste! Qu'est-ce que je raconte?
honte. Non, je voulais dire que vous allez être trempés et vous risquez d'attraper froid. On en a marre de jouer dans la jungle. On veut rentrer à la maison. Oui, bien sûr, aucun problème. Venez, je vous ramène. Mais t'es sûr que c'est par ici? Ne t'inquiète pas, je connais un raccourci. On sera chez vous en un rien de temps. C'est bizarre. On dirait qu'ils font exprès de laisser des traces. Mais je comprends pas. Pourquoi Tabaki voudrait les amener ici? J'en sais rien. Mais ça a peut-être un rapport avec qui tu sais. Cher Khan. Oh, j'en peux plus. Et j'ai soif. Oui, et c'est bien normal. On va donc faire une petite halte. Venez, il y a de l'eau et de quoi manger dans cette grotte. La piste s'arrête ici. Ils ont dû plonger dans la rivière. Non, attends, elle reprend de ce côté. Ils sont tout prêts. Juste à côté du repère de Shere Khan. C'est là que les emmène Tabaki. C'est un piège. Ils savaient que je viendrais les chercher. Oh, oui, et ça a marché à merveille. Oui, pour l'instant, mais il ne sait pas encore que je me trouve près de son repère, ni que tu m'accompagnes, Bagheera. Donc... Allez, entrez. Vous avez entendu le chacal dans la grotte. Surveillez-les, ils ne doivent pas s'échapper. Qu'est-ce que tu vois? C'est bien ce qu'on craignait. Il utilise les loups comme appât. Bagheera, comment oses-tu t'aventurer sur mon territoire? Qu'est-ce que tu fais ici? Il paraît que tu as capturé deux jeunes loups. Plutôt minables, même venant de toi. Tu l'auras bien cherché. Le petit homme. Va-t'en, Mowgli, allez. Tout à fait, petit homme. J'étais sûr que tu viendrais au secours de ton frère et de ta sœur. C'est ça la famille, Shere Khan. On se protège et on s'aide toujours. Peut-être, mais j'ai bien peur que ce soit la dernière fois que tu les vois. Arrête! Attaque-le et je te garantis que tu auras affaire à moi. Oh, voilà la maman, comme c'est touchant. Je m'occuperai de toi plus tard. Je te le déconseille, Shere Khan. Nous sommes une grande famille et nous veillons tous les uns sur les autres. Merci, Mowgli. Nous sommes extrêmement fiers de toi. Je n'aurais rien pu faire sans l'aide de Bagheera. Oui, je sais. Nous te remercions aussi, Bagheera. Oh, de rien. Ah, bonsoir à tous. Désolé du retard, j'ai eu un petit problème. Quoi? J'ai raté quelque chose? Mais enfin, qu'y a-t-il de si drôle? Ça aurait dû être tellement plus simple. Mmh.
voilà justement le chacal que je cherchais. Oh, Sherkan, tu es là. J'étais justement en train de nettoyer ton repère. De nettoyer mes restes, tu veux dire? Mais on avait passé un accord, tu te rappelles? Tu as dit que je pouvais... Je sais, mais je t'avais aussi dit qu'un jour, tu devrais me rendre un petit service. Et ce jour est arrivé, Tabaki. J'ai entendu dire que Mowgli allait rendre visite à sa famille. Tu parles des loups qui l'ont élevé? En effet. Et quand il arrivera là-bas, il découvrira que son petit frère et sa petite sœur ont disparu. Et évidemment, il voudra les retrouver. Mais comment auront-ils disparu? Oh, c'est justement là que tu interviens. Ah. Bon, je vous laisse. Oh, j'ai tellement envie de revoir ma famille. Tu sais, moi aussi je n'ai pas vu les loups depuis longtemps. Ah oui? On pourrait y aller ensemble. C'est quand même mieux de faire le voyage à deux. Oui, d'accord, avec plaisir. Génial. Tu viens avec nous, Balou? Balou? Quoi? Oui, bien sûr, évidemment. Allez-y, je vous rejoins. Neuf et dix, j'arrive. Je te vois, Bala. Ah, Tabaki! Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai même pas le droit de m'amuser avec mes deux jeunes loups préférés. Oh, c'est vraiment pas juste. Personne ne veut jamais jouer avec moi. Oh, bon, d'accord. Tu peux jouer avec nous. Super! Cachez-vous, je compte jusqu'à 10. Ici, dans l'arbre creux. Attention, j'arrive. Bala? Lali? Vous êtes là? Ohé, vous m'entendez? Lali? Bala? Mais où sont donc cachés mes deux amis? Je parie qu'ils sont là-dedans. Aïe! Espèce de... Oui, très drôle. Allez, à mon tour. Essayez un peu de me trouver. On approche! Mais oui, on n'est plus très loin. Mais qu'est-il arrivé à Balou? Mowgli, tu tombes bien. Bala et Lali ont disparu. Oh non! Ils jouaient ici et maintenant ils n'y sont plus. Je suis sûre qu'ils ne doivent pas être très loin. Où est Daruka? Ils pourraient remonter leur piste en un rien de temps. Oui, je sais, mais il est parti chasser. Ne t'en fais pas, Raksha. Bagheera aussi est un bon traqueur. Préviens Daruka. Nous, on part tout de suite à leur recherche. À tout à l'heure. Quelle que soit la destination des loups, le petit homme est sur leurs pas. Il les suivra n'importe où et il sera très bientôt à moi. Trouvé! Trouvé! Oh, j'en ai assez de jouer à cache-cache. On peut jouer à autre chose. D'accord, que diriez-vous d'une course-poursuite? Attrapez-moi! Daruka! Daruka! Que se passe-t-il? Un problème? Lali et Bala ont disparu, je suis très inquiète. Quoi? Oui, ce sont eux. Mais il y a autre chose. L'odeur répugnante du chacal. Tabaki. C'est vraiment dégoûtant, cette gadoue. Oh. Hé, Tabaki, tu vas où comme ça? Vous verrez bien. C'est une surprise. Plus vite! Par ici! Sortez de là! Vous sabotez la piste! Hein?
qu'est-ce que je raconte? Non, je voulais dire que vous allez être trempés et vous risquez d'attraper froid. On en a marre de jouer dans la jungle. On veut rentrer à la maison. Oui, bien sûr, aucun problème. Venez, je vous ramène. Mais t'es sûr que c'est par ici? Ne t'inquiète pas, je connais un raccourci. On sera chez vous en un rien de temps. C'est bizarre. On dirait qu'ils font exprès de laisser des traces. Mais je comprends pas. Pourquoi Tabaki voudrait les amener ici? J'en sais rien. Mais ça a peut-être un rapport avec qui tu sais. Cher Khan. Oh, j'en peux plus. Et j'ai soif. Oui, et c'est bien normal. On va donc faire une petite halte. Venez, il y a de l'eau et de quoi manger dans cette grotte. La piste s'arrête ici. Ils ont dû plonger dans la rivière. Non, attends, elle reprend de ce côté. Ils sont tout prêts. Juste à côté du repère de Shere Khan. C'est là que les emmène Tabaki. C'est un piège. Ils savaient que je viendrais les chercher. Oui, et ça a marché à merveille. Oui, pour l'instant, mais il ne sait pas encore que je me trouve près de son repère, ni que tu m'accompagnes, Bagheera. Donc... Allez, entrez. Vous avez entendu le chacal dans la grotte. Surveillez-les, ils ne doivent pas s'échapper. Qu'est-ce que tu vois? C'est bien ce qu'on craignait. Il utilise les loups comme appât. Bagheera, comment oses-tu t'aventurer sur mon territoire? Qu'est-ce que tu fais ici? Il paraît que tu as capturé deux jeunes loups. Plutôt minable, même venant de toi. Tu l'auras bien cherché. Le petit homme. Va-t'en, Mowgli, allez. Tout à fait, petit homme. J'étais sûr que tu viendrais au secours de ton frère et de ta sœur. C'est ça la famille, Shere Khan. On se protège et on s'aide toujours. Peut-être, mais j'ai bien peur que ce soit la dernière fois que tu les vois. Arrête! Attaque-le et je te garantis que tu auras affaire à moi. Oh, voilà la maman, comme c'est touchant. Je m'occuperai de toi plus tard. Je te le déconseille, Shere Khan. Nous sommes une grande famille et nous veillons tous les uns sur les autres. Merci, Mowgli. Nous sommes extrêmement fiers de toi. Je n'aurais rien pu faire sans l'aide de Bagheera. Oui, je sais. Nous te remercions aussi, Bagheera. Oh, de rien. Ah, bonsoir à tous. Désolé du retard, j'ai eu un petit problème. Quoi? J'ai raté quelque chose? Mais enfin, qu'y a-t-il de si drôle? Ça aurait dû être tellement plus simple.